Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons jouer aujourd'hui à Rally d'Europe, un jeu très bien espagnol, mais bon, qui normalement reprend la série des rallyes de l'Africa et rallyes d'Europe. On va tranquillement jouer à ce jeu que je découvre en même temps que vous, mais vraiment la même seconde que vous, incroyable. donc voilà. Oui, donc j'étais tranquillement en train d'acheter une licence pour WinRAR et je me suis dit, bah tiens, ça serait pas mal de jouer à ce jeu. On va voir un petit peu ce qu'on a dans le menu options. Alors moi j'ai le son à fond, mais je pense que pour vous c'est correct. Alors, on peut choisir les données, on peut chercher les données, sound setting, contrôle, navigation. Et puis c'est tout, je pense qu'on va revenir en arrière. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est un jeu de rallye, vous l'aurez compris, mais évidemment, avec la petite introduction, ma foi, fort sympathique, qui fait très penser à l'introduction qu'on a pu voir dans Sega Rally 1 ou Sega Rally 2. On a le spot entry mode select, mode championnat, de pure battle, memory battle. Bah écoute, bataille de cartes mémoire, je sais pas ce que c'est. Mais apparemment, memory battle, c'est un mode historique. Avec Rallye d'Europe, on a Thessalia, Toulouse. Toulouse, on peut faire du rallye à Toulouse, pourquoi pas. Le rallye de Wales, donc c'est Pays de Galles. Liguria, je ne sais pas où c'est. Karlstadt, je pense que c'est en Allemagne. Et bah écoutez, ce mode de jeu m'intrigue, donc on va commencer par Toulouse, tant qu'à faire. Alors, entrée numéro 1, nos data. On va prendre. Alors, ça c'est pour commencer, l'autre c'est pour charger. On va faire start. Hein. Alors, on a plusieurs classes, on a la classe K, la classe F2, la classe A, la classe S et la classe K. Donc, 3 sur 10, 3 sur 10, 0 sur 10. Bon, alors ce que c'est, par exemple, c'est quoi la classe K? La classe K, ça se trouve, c'est une classe historique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voiture hein? Alors, si vous avez vu l'introduction, vous vous rendez compte que, bah, par exemple, on a une Subaru Impreza, on a une Peugeot 306, et après, j'ai l'impression qu'elles sont légèrement modifiées, alors je ne sais pas si ce sont vraiment les licences ou pas du jeu. On a une Rossini, une... Oh, attendez, si. Cette voiture, ça me parle, hein. J'ai l'impression d'avoir déjà vu. Non, c'est pas une Mazda, non... Non, c'est une petite... Ah, c'est encore un petit modèle genre Suzuki Copeland, là, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est pas grave, vous allez m'aider après plus tard. On a une Tilor VV670C, mais c'est évidemment une Subaru Justy, donc voilà, c'est bien ce que je pensais, ils ont pas les licences. On a une Verlaine qui est à mon avis une Suzuki. On l'a une dans Gran Turismo, c'est la Mira. Mira, je pense. Soit Aventador ou je sais pas quoi. Enfin, les noms un petit peu qu'il y avait dans les voitures japonaises à l'époque pour les kickers. Et on a que trois petits modèles en classe K. Donc c'est les kickers. Je pense que K c'est les kickers. On va voir le F2. Ah, F2 ça m'a l'air d'être un peu plus reconnaissant. Enfin, pour se reconnaître. Ça, à mon avis, c'est une 306 évidemment, un kickcar. Là, on a une Xara kickcar aussi. La Tilor CXDJ. On a une Mégane. Bah, franchement. On vous dit pas que c'est pas les vraies marques, ils ont vraiment pris la M3D, hein. Pas déconner, le jeu ressemble vraiment à une Mégane Kit Car. Il y en a trois petits modèles en Kit Car, ok, pourquoi pas. On va voir la classe A, alors apparemment vous voyez 0, 3 sur 10, mais j'ai rien de débloqué, donc je peux pas utiliser la classe S non plus. Bah écoutez, on va commencer par une classe car, voir ce que ça donne. Et on va prendre, j'ai envie de dire peu importe, elles ont toutes les mêmes stats, ah non ça... Pardon. Elles ont un peu tous là, les mêmes stats, non? Ah, c'est ça là qui a les mêmes stats. La classe K a des classes différentes. Bah, peu importe, allez, on va prendre celle-là. Et on va voir ce que ça donne. Et on va aller rouler à Toulouse. Donc, si vous êtes natif de Toulouse ou que vous avez fait un tour à Toulouse, vous êtes déjà à Toulouse, peut-être vous allez dire je reconnais. Et apparemment, c'est le circuit qu'on avait au début. 3, 2, 1, go! Ok. Alors, je suis tout seul, j'ai l'impression. On freine avec carré, on fait un petit dérapage, ok. Alors le maniement déjà est assez spécial. Ça tourne. Et regardez comment ils mettent les flèches de direction. On dirait un petit peu les bonus à Mario Kart avec plusieurs items qui bougent d'un coup. Et là on a l'impression que voilà, ils cherchent les flèches qu'à trouver la bonne. Alors le maniement est ultra bizarre, on dirait une caisse à savon. Vraiment. Alors c'est difficile à décrire, mais vous voyez je tourne, mais la voiture tourne pas, elle va commencer à glisser pour après tourner. C'est très très bizarre. Bon après c'est plutôt maniable. Non vraiment le maniement est correct. C'est pas réaliste, malheureusement. Mais ça va, c'est pas impossible, il suffit de.
suffit de bien gérer. Et je remarque que le régime moteur a une petite importance aussi. Et voir, je suis en 5ème, et si j'accélère d'un coup, que je baisse la vitesse, le sur-régime va me faire accélérer d'un coup. Ce qui n'est pas le cas par exemple ici. Et donc on est à Toulouse. Sans déconner, c'est Toulouse. Non, alors c'est une autre ville de Toulouse. Non, ça doit pas être Toulouse. On a l'impression d'être dans un... Dans rien en fait, ça ressemble à rien en fait. On a l'impression d'être dans un village médiéval. On a pas l'impression d'être dans un... Dans un vrai circuit. Ah regardez, on a une cathédrale. Alors est-ce que c'est une cathédrale qu'on aura à Toulouse? Non, c'est pas possible. C'est pas Toulouse. J'ai déjà été à Toulouse, ça ressemble pas du tout à ça. Hein. Je suis désolé. C'est des gros immeubles classiques, centre-ville, l'eau autour, les maisons un peu avec les briques rouges. Puis c'est tout quoi. Enfin, rien de... extraordinaire, mais pas ça en tout cas. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Franchement. Voilà, Toulouse, bon, mais pourquoi pas. Hein. Alors on a fini notre tour, on va voir ce que ça donne. Ça se trouve c'était juste un contre-la-montre, hein. Il n'y avait pas grand-chose. On va voir le résultat, voilà. Ah mais j'ai compris pourquoi. En fait ce qu'il aurait fallu faire c'est, voilà. Il aurait fallu qu'ici je rajoute des voitures contre nous, on va pas le faire, c'est pas grave, on va revenir en arrière. Bon, le jeu est en espagnol, je suis désolé, c'est tant pis, hein. Je trouve ce jeu qu'en espagnol. On va faire un retour, on va aller dans le mode Spot and Free. On va faire par exemple Wales. On va changer de classe, on va prendre par exemple la classe F2. Donc bon, je disais Xara, Mégane ou Citroën. On va prendre la Mégane, tiens, pour une fois. C'est une voiture que j'ai pas tendance à prendre habituellement. On va voir ce que ça vaut, on va voir si le maniement est différent surtout. Et ce que c'est bien fait ou pas. Alors vous aurez compris, on joue à un jeu qui s'est pas spécialement beaucoup vendu, mais est-ce que pour autant il est mauvais, ça ne veut rien dire. Je veux dire que c'est tellement fait écraser par la série des Colin McRae, les jeux de rallye ou même les V-Rally que... Les autres jeux ont pas eu grand chose pour eux, même des jeux plutôt bons. Alors là, l'effet de Savonnette il est encore plus élevé, vraiment. C'est vraiment bizarre. Ah, on est 10ème sur 10, ok. D'accord, donc on part 10ème. Aïe, on dirait un Sega Rally en fait dans le format là, puisque on a un temps à faire, j'ai l'impression. Et au fur et à mesure, on rattrape les voitures. Et déjà, je peux vous dire, si je vois la voiture devant moi, on a à mon avis une Hyundai coupée, non? WRC? Ou une Sylvia peut-être? Non, on dirait une Hyundai coupée de. Alors, franchement, les voitures sont pas moches, elles sont plutôt bien faites. Alors, il n'y a pas de reflet, vous l'aurez remarqué. Mais c'est pas trop gênant, enfin je trouve que c'est... Non, là, la 3D est plutôt bien rendue. C'est plutôt pas mal. Bon par contre les effets de projection sont dégueulasses, c'est juste des pixels. Pixels, je vais essayer de dépasser quand même là, si elle veut bien, mais j'y arrive pas. J'ai rien dépassé la tour devant moi. Parce que là je suis 10ème. Je pense que c'est quand même l'occasion de pouvoir la doubler à un moment ou à un autre. Et non, je l'aurais pas dépassé. Elle fait la même erreur que moi. Je fais n'importe quoi. Je tape tous les murs. Ah non, le maniement là ça va pas. Autant ça passe sur une petite voiture qui va pas vite, autant sur une grosse voiture, enfin une voiture beaucoup plus puissante. Là ça devient vraiment chaud. Rallye de l'Africa, vous voyez, Rallye d'Africa 1998. Je pense que c'est peut-être la suite, hein, tout simplement, de Rallye de l'Africa. Je pensais vraiment que ça serait le même jeu en fait, juste reblindé suivant la langue, et en fait bah, j'ai l'impression que c'est le même. On fera Rallye de l'Africa d'ailleurs un jour, ça y ressemble beaucoup, on verra si c'est vraiment la même chose ou pas. Je suis 10ème sur 10, je n'ai même pas réussi à doubler une voiture depuis le début. Allez, on est 9ème, incroyable, on va profiter du tarmac pour ça. Le maniement ne change pas beaucoup, hein, que ce soit tarmac ou pas. Je sais pas combien de tours il y a à faire. J'ai l'impression qu'il y en a au moins deux. Est-ce que j'ai une vue arrière? Non, une touche LR ne font rien. Avec triangle, on peut voir en vue embarquée et seulement, c'est un manque de vue disponible simplement, c'est pas énorme. Alors, on va essayer de rattraper la voiture devant nous. Alors, la musique elle a un rythme assez bizarre. Et la sonorité des flèches est quand même assez déroutante quand même. On a un copilote qui a l'air... Je vous laisse écouter. On a l'impression que le mec il parle dans un micro de 1950. Hein. Vraiment.
c'est pas trop ça. Mais pour moi, on a un copilote. Je vais quand même me concentrer pour essayer au moins de pas terminer avant-dernier. Ça serait quand même un petit peu dommage. Alors, on va essayer de la rattraper. En tout cas, on pourra pas dire qu'ils ont pas fait des efforts au niveau du décor, enfin en termes de type de paysage, en termes de type de circuit. Déjà sur les deux circuits qu'on a vus, c'est quand même bien différent. Alors on va essayer de faire la voiture devant nous. Il semble être une Xara mais en version blanche, donc la voiture on connaît déjà. Voilà, je me fais pousser par l'IA, c'est super. Merci. Rentrer dedans par la Xara. Oui, évidemment, je citerai les noms des vraies voitures. Hein. J'ai pas amusé à retenir le nom de voitures qui ont juste été modifiées en termes du branding. Ok, final lap to go, j'ai compris. Donc il y a 3 tours. On est 7ème, ce qui est nul. Hein. J'ai passé un tour à dépasser la première voiture. Il n'y a pas de dommage aussi, vous l'aurez compris. Par contre, c'est moi ou je peux tourner en l'air? J'ai l'impression que je pouvais contrôler la voiture en étant Alors ouais, c'est de se concentrer quand même. Je vous laisse profiter de la musique. Ok, je commence un peu à comprendre le maniement, c'est pas évident, mais à force, ça, quand même, on commence à maîtriser un peu plus. Ouais, je pense que si on recommence la course, on peut terminer peut-être 5ème ou 4ème. Parce que j'ai tellement perdu trop de temps au premier tour que... Bah, voilà, on a tout perdu dès le début. Alors il n'y a pas de time out, de time time up ou time out comme dans Sega Rally, c'est qu'en gros là je pourrais terminer dernier à 25 secondes de retard, ça changerait pas grand chose. Bon, fini 6ème, c'est pas super, mais bon pour une première course je pense que ça va. Donc on va se contenter de ça. On va essayer de découvrir un petit peu d'autres tracés, on va faire. Alors il y a un replay. Juste pour rigoler, on va voir un petit peu le replay, est-ce qu'il est bien ou pas. Alors chargement. Alors, est-ce que c'est un replay ou est-ce que c'est juste je recommence la partie? Non, c'est un replay. 3, 2, 1, go! Oh là, c'est magnifique, c'est beau, c'est joli, c'est incroyable. On s'est pris le mur. Non, après, franchement, bon, les décors sont payants, je rappelle, évidemment. Le décor est pas mal. Bon, ça manque d'effets, mais bon, c'est pas trop gênant. On va faire salir, qui veut dire quitter normalement, hein, ou retour, enfin, partir, je sais plus en espagnol. Je n'ai pas fait espagnol en vrai, donc je sais pas vous dire, mais je pense que c'est ça. On va revenir en arrière. On va faire un mode championnat, histoire d'avoir ce qu'on a dedans d'intéressant. J'ai pas débloqué la classe A, je voulais commencer en classe K cette fois-ci, donc voilà, donc j'ai 3 voitures à choisir. On va changer, on va prendre la petite Justy, la petite Subaru. Et on va commencer le challenge 1, simplement. Et j'imagine que si on réussit le 1, bah on va réussir le 2ème, etc, le 3ème. Ça me fait penser légèrement au mode 10 Year Championship de Sega Rally 2. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai l'impression d'être tout seul. Ah non, non, toujours 10 personnes. Allez, c'est parti. Sur le circuit de Thessalia qui normalement est le plus simple, donc on n'a pas trop d'excuses pour pas y arriver normalement. Alors on remarque aussi que le bruit des voitures est différent, donc bon point.
ça restera pas dans les annales au niveau ambiance, mais au moins ils ont fait l'effort d'avoir des sons différents entre les voitures. Donc on va pas leur... C'est pas un studio énorme qui a fait ce jeu, donc effectivement, faut pas s'attendre à une grosse position à Gran Turismo, même des rallyes. Mais franchement, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Franchement, je trouve qu'on s'amuse beaucoup plus avec les petites voitures qu'avec les grandes. Bon, alors j'ai pas encore vu les classes A ou S, qui à mon avis sont trop rapides pour être intéressantes, mais pourquoi pas, hein, ça peut très bien être... Je vais me tromper, peut-être que le maniement sera beaucoup mieux. En tout cas, avec Hitcar, c'était pas trop fameux. Là, c'est plus cool. Déjà plus simple. Après, le circuit est pas compliqué non plus. Ah, vous avez vu quand je ralentis? Ça, c'est pas mal. On a une petite flamme qui sort du pot. Quand je lâche l'accélérateur. Ouais, hop, vous entendez ça? Allez, on va démarrer. On est quoi? Il y a 3 tours à faire, je pense, encore une fois. Bon, musique très classique, bien différent de tout à l'heure, mais classique quand même. Bon, l'ombre en revanche, bon, c'est un jeu qui n'est pas sorti dans le début de la console, hein, donc on va dire qu'il est correct dans sa réalisation par rapport à l'année. Par contre, l'ombrage noir pas transparent du tout, ça c'est un petit peu dégueulasse, mais bon, c'est pas trop grave. Oh, regardez devant, on a une... Ah bah ça par exemple, je pense que ça... Ah, on dirait un peu les... Ah, je sais pas souvenir comment ça s'appelle. Le prototype AZ, je sais plus quoi. Enfin plus. Sinon ça me faisait aussi penser à la Ford RS200 du groupe B. Ça m'étonnerait que ce soit ça quand même. Après, si vous avez regardé donc l'introduction, vous avez vu quelques voitures un peu anciennes. Bon, ça on la connaît, c'est celle qu'on avait dans les jeux au début. Et alors pour l'intérieur, et on va déplacer notre concurrent. Alors j'ai pas de vue arrière, en tout cas j'en vois pas. Si je fais rond, ça change rien. En fait j'ai que triangle, carré, croix et la direction, le reste ne change strictement rien. Ah, il y avait que 2 tours, ils ont fini 2e. Ah, c'est dommage, je pensais vraiment qu'on aurait pu gagner. Je suis sauvé tranquille, il restait encore un tour à faire, mais en fait non. Alors, on va pas faire replay, on a fini 2e, j'espère que c'est suffisant. Donc là ça va être 2e stage Toulouse, 2 tours. Ok, donc il y a 2 tours. Et on est prêt, bien entendu. Go! Effet de réverb dans le tunnel. La musique est pas mal. J'aime bien. En plus, ça reste mes goûts, mais j'aime bien. Vous avez vu? Quand j'avais beaucoup de, voilà, de régime, 7000-8000 tours, bah, la voiture a commencé à accélérer d'un coup et limite glisser. Ça, c'est un comportement que j'aime bien. C'est plutôt ouais, c'est plutôt réaliste. C'est pas une réplique de Ford. J'ai écrit un petit moment, mais en fait non. Je pense pas. T'as vu, regardez. Là, je suis à 7 minutes demi-tour, la voiture elle est à fond quand j'accélère. On va
dépasser vite, on est 5e. Eh, ça risque d'être juste encore une fois, hein. Non, ça va, on peut le prendre à fond. Ce qui est bien, c'est qu'IA reste complètement sur le côté, du coup, ne gêne pas. Enfin, en tout cas, dans ce premier championnat. Oh, le moteur qui en peut plus! On va le dépasser tranquillement. Ah, bah non, je dis ça, mais il nous a repris accélération, mais c'était facile pour lui. Vous avez vu, là, j'ai accéléré d'un coup. Là c'est un peu tard, j'aurais dû accélérer un peu plus tôt. J'ai pas pu prendre le régime à fond. Aïe! Allez, troisième place, on va essayer de surfer la deuxième. Ah, je fais n'importe quoi. Ça reset juste. Alors le premier il est ouf. Où est le premier? Ouais, je pense qu'il doit être loin quand même. Ouais, on dirait une ville médiévale, hein. On a l'impression qu'il y a un contexte bizarre, on a l'impression de dans le passé. Allez, j'ai encore fini un deuxième. Bon, c'est pas grave, c'est plutôt bien un deuxième. Oui, rallye d'Europe 2000, et quand on arrive, c'est rallye d'Africa. Il y a quand même un truc qui est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. Allez, on va faire la troisième course peut-être. Deuxième, d'accord. Bon, on va faire le challenge numéro 2. On va voir ce qu'on peut faire. Donc là, ça sera Wayless, deux tours. Ah ouais, le fameux Wayless qu'on n'a pas trop aimé tout à l'heure. Alors je sais pas si y a un super départ non plus, je pense peut-être qu'on peut gagner du temps avec le régime, mais pas tant que ça. Alors tout à l'heure on avait perdu un tour devant le 9ème. Avec un peu de chance, cette fois-ci on fera moins d'erreurs. Oh, le saut! Ah, j'ai perdu du temps déjà. Voilà. Là, on est passé. Parfait. Oh non, je dois freiner. Du coup, il vient de redépasser. Non, c'est bon. Et voilà, il m'a rebloqué. Et ça va, je vais essayer de me défaire maintenant de lui maintenant. Voilà. Oh non, il m'a encore redépassé. Mais c'est incroyable, mais comment il fait? Alors en retour, ça va être encore plus compliqué. Là, je crois que j'ai un pire que tout à l'heure encore. Bon, les collisions sont pas bien faites, vous l'aurez compris. Il faut quand même bien anticiper. On a fait un tour quoi. Un tour, on est 7ème. Vous avez vu là d'un coup? J'ai une sorte de mi-turbo. Ah ouais, c'est le dépasser là, parfait. Un petit saut, j'ai encore fait la même erreur que tout à l'heure, mais c'est pas grave.
Eh, mine de rien, le jeu est quand même pas si facile que ça. Hein. Même si c'est au début du jeu, bah, on galère quand même pas mal. Allez, je tape tout là. Je tape tous les décors, tous les bords. Ah, c'est bon, j'ai pas perdu de temps cette fois-ci. On est juste cinquième. Ah, la grosse bêtise que j'aurais pas dû faire. J'ai perdu beaucoup de temps. Ah, j'ai perdu un temps énorme, hein, parce que normalement je suis censé les rattraper à cet endroit-là. Ah, peut-être gratter la troisième place, mine de rien. Ah, ça serait plutôt pas mal, là j'ai pas eu trop de temps aussi. Ah bah là je me suis grillé au moins une place. Je pense qu'avec allez cochon. On y va. Ah, j'ai le second qui est juste là. Le problème c'est que je sais pas si je débloque quelque chose en finissant ici dans les 3 premiers ou s'il faut absolument que je finisse deuxième ou... Je sais pas. Je sais pas du tout pour le moment. Là, par exemple on a fini troisième hein, mais bon est-ce que ça débloque? Je ne sais pas. Ah il nous restera le Thessalia par contre à faire. Are you ready? Cette petite musique, elle pourrait presque plus aller dans un Age of Empire. Age of Empire 1 ou Age of Empire 2. Age of Empire. Bon, allez, là on vise la victoire. Je sais pas par quel miracle, mais on la vise. Faut quand même essayer de le remonter rapidement. Logiquement, si je veux gagner, il faut que je sois 5ème à la fin de ce tour. Demi-tour. Peut-être c'était des moteurs qui montaient assez haut, hein, 8 demi-tours minute. Une petite voiture comme ça. Ah ouais, je suis à peine 6ème. Donc je doute que je puisse finir premier. On va essayer de conserver le régime le plus haut longtemps. Si je tourne trop aussi, je perds de la vitesse. Donc on va faire attention, on va essayer de pas trop tourner. Bon, évidemment, il faudra quand même tourner dans le virage, mais... Disons qu'il va falloir éviter de faire des angles de prise de virage trop élevés, pas trop casser la vitesse. Alors, normalement ça fait gauche-droite. Ouais, je l'ai pas touché cette fois-ci. Du coup je suis en pleine vitesse, je vais pouvoir attraper le second. Ça va être un médium, je ne freine pas, j'accélère toujours. J'ai pas lâché l'accélérateur une seule fois pour le moment. Et le premier devant nous, il est juste là. Peut-être que nous allons pouvoir gagner enfin la première course dans ce jeu. Ah, c'est parfait. Si on pouvait finir au moins sur une victoire. Ah non, on a réussi. Bah, finalement, ça va. Finalement, c'était faisable. Mais oui, il faut vraiment pas faire d'erreur, prendre les meilleures trajectoires, ne pas casser sa vitesse. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc on a gagné. Bon ben voilà, donc on a gagné. Challenge 2, on a fini deuxième finalement.
Bon, pas trop le classement, mais bon, pourquoi pas. Et après, ça sera Toulouse, Wales ou Thessalia. Bon, je pense que je vous ai montré une petite partie du jeu, pas besoin de vous montrer tout. Il me semble que c'est à peu près bon, hein, donc... bon, ce qu'on pense, c'est qu'on va se taper les mêmes courses qu'on a déjà fait. Je vais faire Atras. Je vais faire Atras et on va... on n'a rien débloqué, c'est dommage. On va faire une petite... voilà, une petite course classique. Ah, mais j'ai pas débloqué les autres, c'est dommage. J'aurais bien voulu vous montrer par exemple Karstadt ou Liguria, mais bon, on a fait ça. Bon, de toute façon, pas besoin de rester des heures dans ce jeu, vous l'aurez compris. C'était Rallye d'Europe 2000 ou Rallye d'Africa, sorti en 2000 par Prism Art, alright, in Wizard. Je verrai s'il y a vraiment un Rallye d'Africa, mais je pense qu'il y a un Rallye d'Africa, ça me parle beaucoup plus que Rallye d'Europe. Ça se trouve, c'est le même jeu, mais bon, au pire, je vous le dirai dans les commentaires en bas, ou alors. Ça veut dire qu'il y aura une prochaine vidéo sur ce jeu. Bon, j'aurais compris que c'est un jeu qui paye pas de mine, qui est pas trop mal, hein, il est plutôt bien réalisé, mais qui évidemment n'endiguera pas les foules. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde!